Je vais vous guider pour vous aider à préparer les wontons ou les raviolis que nous allons préparer ensemble. Allez, c'est parti. Comme vous avez pu le remarquer, on a de la chair à saucisse, de l'oignon pays, du piment végétarien également. À cet assaisonnement, on va rajouter 2 cuillères à soupe d'huile de sésame, du sel, du poivre, puis vous mettez tout ce que vous voulez dedans en fait pour donner du goût. On prend notre feuille à ravioli. Entre temps, je constate qu'il me reste de l'herbage et des champignons, donc je mets dedans. Et là, on prend la feuille. On étale le tout. On met une noix au centre de la feuille et on commence à faire le pliage comme vous pouvez le voir sur les images. Pliage parti. Allez, une fois qu'on a nos petits croissants bizarres, on met de l'eau à chauffer, bien bouillante hein, quand même, et on les met dans petit récapitulatif en image en mode accéléré. Regardez, c'est hyper simple à faire. Ça m'a pris 30 minutes en tout et pour tout. On met nos raviolis dans l'eau bouillante et on laisse cuire environ 5 à 8 minutes. Pour être Chinese food totalement, j'ai décidé de faire des nouilles, de garder l'eau du bouillon, d'assaisonner avec le reste de piments végétariens, de champignons et d'herbages comme vous le voyez sur la photo. Bisous à tous et merci beaucoup. Bon appétit.